Bon Clément, cette aventure Coupe de France, elle prend fin ce soir. Mais vous avez emmené les Herbiers aux prolongations. Frustration ou satisfaction d'avoir répondu présent ce soir? Non. Je pense que le plus gros sentiment qui règne ce soir, c'est déception et frustration. Parce que voilà, c'était, on va dire, le scénario parfait. On prend la 85e, on égalise à la dernière seconde. Donc on disait qu'on avait fait le plus dur et ce but... un peu entaché d'une main, c'est ça qui nous rend encore plus frustrés. Mais bon, c'est comme ça, on est déçus, mais on est allé au bout de nous-mêmes, on a tout donné, donc voilà. Je pense qu'on est prêts de faire de nous. Grosse perte de l'ensemble du collectif ce soir, mais toi personnellement, t'as aussi signé un gros match, t'as su sortir au bon moment pour aller contrer les ballons, les tacles propres. Comment tu t'es senti toi ce soir? Ah bah oui, je suis conscient que j'ai fait un bon match, je suis content. Après, ma performance personnelle, je pense que c'est secondaire. Le plus important aurait été la qualification. Après, c'est sûr que on va dire que c'est la petite pointe de satisfaction de la soirée. Mais après, c'est quand même toute l'équipe qui a fait un très très gros match et je pense qu'on peut tous être fiers de notre performance ce soir. Bon, tu peux aussi avoir eu la fierté d'avoir enivré le bon à la 90 plus 6 au bout du suspense avec cette égalisation de la tête. Comment tu le vis? Quel est ton état d'esprit quand tu montes pour aller jouer ce coup de pied arrêté? Bah, déjà, il y a eu une succession de coups francs, donc on s'est dit à un moment donné, enfin, on espérait à un moment donné que ça paye. Et là, quand Lucas tire le coup franc, on sait que c'est le dernier et que c'est la dernière chance. Quoi. Donc tout le monde est déterminé. Après, j'ai la chance d'être au bon endroit, je mets la tête. Je pense qu'elle est un peu déviée par le défenseur, mais bon, c'est comme ça. Et puis là, c'est un sentiment indescriptible. C'est une explosion de joie, de fierté, de voir tous ces gens heureux crier, sauter. C'était vraiment un moment indescriptible. Et ouais, c'est pour ça qu'on fait des sacrifices pour le foot, qu'on joue au foot, qu'on s'entraîne dur toutes les semaines. Donc, c'est vrai que c'est un moment incroyable.